vraiment prêt. Oh, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il a failli nous rendre. Bon, bien sûr, pourquoi j'ai pas pensé plus tôt? Allez, bouge-toi. J'aimerais être le premier sur la ligne d'arrivée. Allez, salut, mon pila. Oh, tout est en ordre. Oh, t'as oublié, je ferai tout pour croquer les monstres. Comme toi. Trop bon. Oh, il faut si cher. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, il arrive! Il faut que je me cache vite! Est-ce qu'il va me trouver ici? Oh, j'ai peur! Oh, je veux pas mourir! C'est lui! Oh non, oh, me faites pas de mal! Ne fais pas de bruit! Enfin, tais-toi! Ok! Elle est où la poule? Alors, je sais pas! J'ai regardé dans ce casier là! Hein? Pousse-toi! Allez! Oh, j'ai mal! Oh non, attends! Nous allons voir qui est là! Oh mon Dieu! Oh, fichu porte! Oh non! Ah, ça y est! C'est moi, Opila, je suis là! C'est bizarre, hein? Qu'est-ce que j'ai que ça? Elle est où la poule? Par ici! Merci, t'es brave! Allez! Ah, il est parti! Opila, t'as plus rien à craindre! Je suis là! D'accord! J'ai confiance en toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu dois me faire confiance, regarde. Tout a commencé il y a un certain temps, quand nous avions encore des figures humaines. Pour une raison que j'ignore, j'étais déjà bon en jonglerie et en art en général. Mais mon frère était nul. Ça le mettait de très très mauvaise humeur. Alors il faisait fuir les enfants chaque fois que je faisais mon spectacle. Ou quelque chose de bien, parce qu'il était jaloux. Un jour, il a décidé de se faufiler sur un chemin interdit, dangereux, et je l'ai suivi. Cela nous a menés au laboratoire. Nous avions jamais vu un endroit aussi grand, avec plein de boutons. Même à l'intérieur du laboratoire, mon frère faisait n'importe quoi. Il n'avait plus de limites. Et bien sûr, il a pris un coup sur la tête. Comme il avait enfreint les règles, nous avons été punis par ce rayon. Qui nous a transformés, à tout jamais, tous les deux, dans un seul corps. Et oui, nous étions deux dans le même corps. Chaque couleur de nos corps nous représentait. Et nous voyions si exotiques. Banban a découvert en nous un trésor pour faire de l'argent. Il nous a invités à participer à une expérience. Nous devions faire rire les enfants. Ça semblait convaincant. Et j'ai décidé de conclure l'affaire. Et tout se passait bien. Mais la suite fut terrible. La partie maléfique du corps a pris le dessus. Et cela a séparé nos deux corps. Chacun d'entre nous avait sa propre raison d'être. La partie maléfique s'est dirigée vers le mal. Jester, le violet, était maléfique. Il effrayait tout le monde. Et Bambalina a essayé de s'interposer, de protéger les enfants. Mais elle en a perdu la vie. Il l'a réduit en miettes. Quand j'ai vu ce qui se passait, j'ai essayé de l'arrêter, comme je l'avais fait toute ma vie. Mais cette fois, je n'ai rien pu faire. Il était plus fort que moi, et même plus fort que tous les autres monstres. Il a continué d'extraire l'énergie des autres monstres. Il l'a fait avec Jumbo. Cette fois-ci, celui-ci a perdu son poids et sa couleur. Et... Bunselia s'est enfui et a alerté les autres. Mais quand ils ont entendu cela, ils ne l'ont malheureusement pas pris au sérieux. Pourtant, elle leur a expliqué tout en long, en large, et ils rigolaient. Et puis, il s'est passé quelque chose. Bunselia a été victime de mon frère. Il a donc accumulé son énergie. Il était plus fort. Cette fois, les monstres avaient peur. Vraiment très peur. Oh, bien sûr que je te crois. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai trouvé. Vous êtes ma merci. Ne me dis pas ce que je dois faire. À toi maintenant. Je suis prêt à me sacrifier. Oh, j'espère que c'est le bon. Oh, super.
Tes paupières sont lourdes. Regarde et laisse-toi envoûter. Allez, ta première mission t'attend. Une lumière de plus dans ma collection. Excellent, dans quelques minutes, je vais régner sur le monde. Ouais, c'est un peu lourd. Désolé. Oh, pardon. Yellow, je t'avais pas vu. Je viens de trouver des lumières, tu veux... Mais tu fais peur. Ah, tu ressembles pas au mec cool que j'ai rencontré avant. Ce Lucky est un hypocrite. Regarde, il faut qu'il se sente blessé. Je crois pas en l'amour. Je sais que tout ça c'est rien. Je veux pas tes cadeaux. Ah ouais? Eh ben tu vas voir le vrai moi maintenant. Ces deux-là vont savoir ce que c'est la haine. Oh, j'aimerais tellement me maquiller. Mais avec mon corps, c'est pas possible. Pas de problème, moi je peux le faire pour toi. Je ne pense pas qu'elle soit une artiste du rouge à lèvres. Ça va super bien t'aller, regarde. Je suis la plus belle ici. Tu vas disparaître. C'est mon pire cauchemar. Mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Non, je... Miam. un hamburger. Mais... Oh, arrête de me parler comme ça, ça suffit! Non, c'est mon burger et en plus mon estomac gargouille! Écoute, on pourrait peut-être partager la nourriture plus tôt! Bah oui, c'est une bonne idée, on n'a qu'à partager! Voilà quand tu veux! Je déteste le sentiment de communauté! Délicieux! Je sais que tu veux tous les burgers! Oh, ça y est, c'est l'heure de mon déjeuner! J'ai changé d'avis. Je veux tout manger. Nous avions un accord, tu ne peux pas revenir en arrière. Ah, mon repas est complet. Mais c'est même pas Orange. Nous avions convenu de partager. Enfin, j'en veux encore. Tu es d'un de la viande. Viens dans mon estomac. Ma liste de monstres est presque complète. Dis donc, Green, t'as vu la liste? Oh, mais enfin, quelle liste! C'est vrai, il veut nous tous nous capturer. Oh oui! Partons, Green, allez, partons. Oui, d'accord. Aïe! Oh, maintenant, je vois à l'intérieur de l'arbre. Allez, dépêche-toi. Allez, relève-toi. Hey, oh, là-bas, vous marchez sur ma propriété. Je risque pas, ce territoire t'appartient pas. Est-ce un défi pour moi? Pourquoi pas, que le meilleur gagne. Blue, la vérité, ton corps est trop fatigué pour gagner ce combat. Oui, d'accord. Oh, tu es si beau quand tu dors. Pauvre Green, cette montre va capturer ton esprit. Je ne crois pas à cette magie noire. Allez, un de plus. Mais comment peux-tu en être aussi sûr? Je sens que... Salut, ton âme est toujours là. J'ai une bonne idée. On va casser l'horloge. Allez, on ne médite pas, tu fais ce que je te dis. Le roi a parlé, je vais exécuter les ordres. Alléluia, j'ai encore un travail pour toi. Mets-toi un caleçon. Mais bien sûr, comme vous voulez, mon roi. Tout le plaisir est pour moi. Oh, quel rêve bizarre. Mais je suis tout nu. Je n'arrive pas à croire que c'est moi qui suis triché maintenant. Faut le voir pour le croire. Pour l'amour d'Armstrong. Salut. Ça fait longtemps. Dites-moi que c'est un rêve. J'ai bien peur que ce soit la cruelle réalité. Allez, commençons. Allez, salut. Il allait. Oh là là. Ça suffit maintenant. Explique-moi qui t'a transformé en Stickman. Alors, parle. Bien, je n'ai pas le choix. Je vais te raconter mon histoire. Nous, les Chester, nous avons été les profonds de Bunselia. Et si quelque chose l'ennuyait dans nos performances, elle pouvait nous faire tuer. Ah, c'était notre destin. Le pire, c'est que si nous perdions, Kitty saurions nous manger. Un jour, ce fut mon tour d'être le Chester de Bunselia. Et je fis tout ce que je pouvais pour lui plaire, mais pas suffisamment. J'ai fait que jongler, ce n'était pas assez, ça ne l'amusait pas.
J'aime pas ta performance. Allez, s'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je peux être ton grand bouffon. Vraiment? On va voir. Voici ça. Voici un encouragement. Batman m'a lancé un éclair et m'a transformé en Stickman. Tout mon corps était transformé. J'étais fini. Soudain, alors que tout le monde se moquait de moi, j'étais devenu le bouffon de toute la communauté. Il rigolait. Le shérif a essayé de me tirer dessus. Mais par miracle, j'ai esquivé ces balles. Parce que je suis adroit. Enfin, j'essaye. Oh, oh non! Oh, ah, et salut! Oh, oh, ah, je me sens pas bien. J'ai réussi à intégrer tous les personnages dans mon équipe. Les uns après les autres, j'ai agrandi mon équipe de Stickmen. Il était temps de faire les choses en grand, pour une fois. Et par grand, je veux dire, même m'attaquer au grand Jumbo qui bouffait ses brocolis. Oh, brocolis, oh. Salut, Jumbo. Oh, tu vas pas y arriver. Attends, tu vas voir. Ah. Oh. Tout le monde s'est précipité sur lui, mais personne n'a pu le vaincre. Nos corps n'avaient pas autant de force que lui. Mais Bonnie a réussi à le mordre, ce qui a fait qu'il était enfin transformé. Et lorsque Fiddle l'a jeté un coup, à l'endroit où se trouvait Jumbo, il a été attrapé. Et ainsi de suite avec les autres. Oh, mon chef d'œuvre culinaire est terminé. Il est temps d'ajouter le dernier ingrédient. Voilà. La chérie. Salut. Oh, tu vas m'en sortir. D'accord. Maintenant, c'est notre team. Oh, j'ai une idée. Ça a l'air délicieux. Oh, Pila et Stinky ont fait de leur mieux, mais ne sont pas parvenus à s'échapper. Dans la liste des monstres, Flynn devait être le suivant. À cause de son corps de pieuvre, Flynn, sur Ranger, a été capturé par notre équipe. C'était à son tour, mais même Banbalina a été prise. Presque tout le monde s'est transformé. Même l'extraterrestre a été capturé par notre équipe. Hey, mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais le plus beau, c'est Kitty Sorio, le grand monstre. Alors que Kitty Sorio dégustait une glace, il fut interrompu par Shamataki et Tamateki. Et ce fut un combat de titans, mais la force de l'équipe des Stickmen a réussi à le vaincre. Toute l'équipe s'est alors transformée. Oh, je suis désolé, mais ce n'est pas encore un Stickman. Oh, je dois courir. Oh, tu peux pas m'attraper. Ah oui, laissez-moi vous le prouver. Ah, ouvrez cette porte. Tu vois, ce n'est pas entièrement de ma faute. Tu dois me croire. Allez. Mais attendez une seconde. Regardez, c'est peut-être notre solution. J'ai trouvé ça plus tôt dans la journée. C'est Chris Stickman et de l'autre côté, c'est écrit Normal Mode. Allez, testons-le. Oh, super. Oh, c'est l'ancien moi. Ne t'inquiète pas. Merci. T'es super. Tu fais bien, tu finis bien. Même s'ils veulent gagner, ils ne peuvent pas gagner. Stickman Squadron les battra. Oh, ne bougez plus. Ah, j'ai quelque chose à partager avec vous. Magie. Hop, les lapins, il est là et hop, il est venu là. Bon, très bien, il est temps de s'échapper maintenant. Comment est-ce que c'est possible? Je l'ai trouvé. Et maintenant, le meilleur du spectacle va commencer. Êtes-vous prêts pour cette partie? Faites de bons rêves. Bon travail, on a fait une super équipe. Je crois vraiment qu'on leur doit des excuses. Ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Allez, ok. Éloigne cette chose hors de ma vie tout de suite! Tu m'entends? Nous allons lui donner une leçon! Non, s'il te plaît, non! Oh mon Dieu, je suis trop jeune pour mourir! C'est une belle matinée! Mais qu'est-ce que c'est? Oh! Banban! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je peux pas bouger. Mais tu me fais mal. C'est très douloureux pour moi aussi.
Tu dois sortir d'ici si tu ne veux pas finir comme moi. Va. Attends, mon gars. Mon garçon. Oh non. Oh, mais c'est glauque. Oh, oh lui, il est mort. Oh mon non, Dieu. Mais qui c'est? Oh, oh mon Dieu. Je dois trouver la... Oh, la sortie. Ma tête. Oh. Meilleur, tu dois courir. Oui, d'accord. Et attention, Kitty Souris est peut-être partout. Où te caches-tu, mon poussin? Oh. Oups. Oh. Tu vas jamais me trouver, je maman. Ne crois pas, mon garçon. Je t'aime, maman. Maintenant, je vais me cacher. Toi, tu comptes. Ferme les yeux. Oh, d'accord. Je compte. Un, deux, trois, quatre, Là, il y a quelque chose. Hein? Maman! Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh non! Bébé, où es-tu? Je commence! Non, pas toi! Il y a la sortie là-bas, maman! Oh, non, Là. Non, pas lui. Cache-toi ici. Est-ce qu'il est proche? Je ne vois pas d'ici, mais... Ah, je suis innocent. Je vais t'achever. Je pense que nous sommes en sécurité. Mais nous devons rester ici, alors... une idée? Je sais pas. Et voici le spectacle, Anne. Et c'est pour ça que les poissons ne respirent pas. Oh, mais vous ne connaissez vraiment pas les bonnes blagues. Ah, Kitty, viens voir. Je suis là. Il est temps d'arracher quelques âmes. Chenille, qu'est-ce que tu en penses? Oh, la vengeance sera douce comme le miel. Ah, c'était rapide, j'adore. Il est peut-être temps de regarder. Ah, il n'y a personne ici. Ah, regarde. Qu'est-ce que c'est, ce flyer? Ah, un spectacle avec Chester et Bounselia. Ouh, je crois que c'est sérieux. Il faut absolument qu'on les évite. Allez, on y va. Oh, j'espère que ça va vite finir. Dis-moi, Bounselia, as-tu déjà pensé ce que ça fait de prendre une tarte dans la gueule? Oh, ennuyeux. Et maintenant? On n'a pas beaucoup de temps. Et je peux jongler pour vous regarder. Je préfère regarder des TikTok. Alors, est-ce que je perds mon doigt? Attention! Désolée, j'aime pas du tout ton spectacle. J'en ai marre! Ah, bébé! Maintenant, tu vas voir ce que c'est d'être humilié, sans rien demander. Hello, quelqu'un m'appelle. Comment est-ce possible? Je vous dérange. J'ai absolument rien fait. Et toi, regarde! Au fond de la reine! Nous aussi, on est nul. C'est nul! Tu es sérieux? Oui. Allez, salut! Je vais leur faire changer d'avis! Manquez! Oh mon Dieu! Celle-ci! Je vais me faire un plaisir de ruiner vos vies! Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai l'impression de mourir de la terre! Toi, ne plus sentir ton corps! En garde ma puissance! Je suis très en colère! Okay. Oula! Je dois y aller aussi. Je crois qu'on a gagné. Allez! Je vais courir, meilleur. Tu ne pourras pas m'échapper. Mais il en a vraiment à peine, nous. Je me rapproche. Oh non! Nouvelle planète. Salut toi. Montre-moi ta force. Va-t'en. Oh non. Oh mon Dieu, ça faisait pas partie du plan, ça, player. Aide-moi, chérie. Donne-moi la main.
Je ne suis pas encore mort. Toi, tu viens avec moi. Allez, lâche. Bien essayé, hein. Oh, mon corps. Mais là-bas. Mais qu'est-ce que tu veux de moi? Bonjour, petit player. Mais j'ai un pansement pour toi. Mais je croyais que t'étais un monstre. Non, diabolique. Je ne le suis pas. J'ai peut-être l'air d'un habitant d'une autre planète, mais en réalité, j'étais un enfant que Ban-Ban a kidnappé pour l'un de ses projets encore diabolique. Il m'a transformé dans ce que je suis maintenant, un alien. Mais apparemment, le résultat n'était pas à la hauteur de ses espérances. Parce que pendant que j'ai eu l'impression que mon corps avait complètement changé, il m'a encore tiré dessus avec ce pistolet. Alors qu'il s'apprêtait à le faire, je lui ai lancé un objet. Son arme a volé dans les airs et je lui ai marché sur son pied. Je l'ai poussé. C'était sa leçon. Ban-Ban était à terre et il a dit à la reine Bunsilia que j'étais un méchant, que j'étais devenu un démon. C'est alors que le shérif a commencé à me traquer et me lancer ses étoiles. Il était si déterminé. Mais moi aussi, je ne me suis pas laissé faire. Je suis passé à travers les étoiles. J'étais rapide et invincible comme le vent jusqu'à ce qu'une de ces étoiles me touche le bras. Mais je ne me suis pas laissé arrêter. Quand j'étais devant lui, je lui ai donné un coup de poing au visage. Encore et encore. Mais soudain, quelqu'un m'a attrapé et m'a jeté en l'air. C'était la reine Bunsilia. Et elle a mis fin à la bagarre. J'ai décidé de fuir les lieux. Sir Anjan était en train d'aiguiser ses couteaux lorsque je suis apparu. Je n'ai laissé personne me voir. Mais j'ai saisi son couteau par surprise et je l'ai poignardé dans le corps. Quand il a crié de douleur, je lui ai demandé si je pouvais redevenir la personne que j'étais. Mais il n'a pas pu répondre favorablement à la demande. Mais je voulais le découper à la tronçonneuse. Bunsilia m'a attrapé juste avant. Elle a essayé de me mettre dans son sac, enfin sa poche. Et j'ai résisté de toute ma force. Mais au bout d'un moment, je n'ai pas pu le faire. Je suis retourné dans un lieu mystérieux. Et c'est tout, après, c'était tout seul, perdu dans l'univers. Ne t'inquiète pas, je te fais confiance. C'est fini. Les mauvais jours sont terminés. Je ne suis pas mauvais. Laisse-moi t'expliquer. Tu n'as pas le choix. Dis tes derniers mots. S'il vous plaît. Non. Shérif, stop. Tu as tort. Écoute-moi. Alors, qu'est-ce que tu dis maintenant, mais prête-moi enfin... Prête-moi ta photo. Regarde, shérif. Oui, maintenant je comprends. Oh, regarde. Oui, j'ai fait une erreur. Je suis désolé. Ne le faites plus, hein. Nous sommes dans la même équipe maintenant. Enfin, tu vas mourir. Pourquoi tu fais ça? J'ai toujours été le perdant devant toi. Cette époque est révolue. Mais je n'ai rien fait. Arrête, s'il te plaît, enfin. J'ai déjà fait payer tes amis. Maintenant, c'est au tour du plus grand coupable. Sayonara, petit frère. Oh, arrête-toi là. Nous avons trouvé le coupable. Nous avons un mandat d'arrêt contre toi. Tu te sens bien? D'où est-ce que tu viens? Allez, raconte-moi. Peu importe les lois. Eh bien, c'est une des histoires longues et complexes. J'ai toujours été un enfant très didactique et aimé de mes camarades de classe. Mais mon frère n'aimait pas ça. Un jour, il a décidé de me pousser pendant que je jonglais. Ton attitude est suffisamment humiliante pour toi-même. Pourquoi partent-ils? Ces enfants ne savaient pas ce qu'était l'art. Tu vas bien? N'essaye pas de jouer au frère modèle. J'ai essayé d'ignorer cette situation et cette fois, j'ai pratiqué le cirque. Apparemment, j'étais doué pour le jonglage et les enfants ont adoré. Mais une fois de plus, mon vilain frère a essayé de gâcher la situation. Il n'y est pas parvenu, ce qui a laissé les enfants encore plus émerveillés. C'est un succès total. Je n'ai pas pu le supporter. Il m'a encore poussé. Il m'a fait tomber. Il est monté sur le ballon. Voici une surprise pour toi. Vas-y, prends ça. Il le voyait comme un clown, mais pas un bon.
Ils se sentaient vaincus. Rien ne semblait se passer comme prévu. Quoi qu'il en soit, le spectacle devait continuer. Beaucoup d'enfants voulaient continuer à regarder ce spectacle de cirque. Cette fois, j'ai joué avec des ballons. Et les enfants adoraient les ballons formés. Enfin, pas tous, ça. J'ai fait le tour de magie classique avec le lapin, puis un lion, puis un éléphant. Oh ! Mais comme d'habitude, mon frère s'est encore mêlé de mes tours en essayant de faire semblant d'être le magicien, lui aussi. Il m'a fait perdre l'attention des enfants. Ils ont eu peur. Ils sont partis du parc. Je crois que c'est ce que tu cherchais, n'est-ce pas ? Oui, en quelque sorte. Regarde à toi, tu ne sais même pas faire un bon tour de magie. Que si tu changes ton corps et que tu transformes ton corps dans ce super monstre. Tu penses que c'est possible ? Non, non, ne l'écoute pas, c'est un menteur, s'il te plaît. Tu dois accepter tel que tu es. Il ne veut pas que tu deviennes la meilleure version de toi-même, meilleure que lui. Ce n'est pas vrai, s'il te plaît, ne... Oh, non, tu veux toujours être le meilleur, meilleur que moi. Maintenant, c'est à moi de devenir quelque chose de plus grand. C'est une bonne décision. Allons-y. Je savais que Ban Ban était un monstre maléfique. Mais il ne voulait pas m'écouter. Une fois dans le laboratoire, il s'est allongé sur un brancard et a été enfermé dessus. Ban Ban a débloqué son monstre maléfique et après ça, l'a transformé en l'un d'entre eux. C'était le monstre qu'il voulait être. Jester s'est senti comme neuf. Tout d'abord, vous savez commencer par ici, les nouveaux écoliers. Ça me paraît bien. Alors que je mangeais mon sandwich seul, j'ai entendu des cris près de moi. C'était mon frère. Il effrayait et frappait tous les enfants. J'étais en état de choc, je ne savais pas quoi faire. Jusqu'à ce que soudain, près des arbres, j'aperçois mon costume violet et vert. J'ai alors compris que je devais défendre les enfants. Voilà l'histoire. Vous me comprenez mieux ? Oh, désolé, je crois qu'on s'est assoupi un peu. Oh, mais qu'est-ce que c'est ? J'entends des bruits. Oh. Oh non, mes amis, qui a fait ça ? Oh, mon Dieu, c'est lui. Ça me vient à l'esprit. Arrête-toi là, je sais que c'est toi. C'est lui le coupable. Mais enfin, non. Arrête de parler, tu mérites d'être puni. Oh, non, laisse-moi partir. C'était une bonne décision, ma reine. Oh, oh, non. Oh, il n'y aura non, plus jamais de personnage maléfique dans mon royaume. Mais c'est un malentendu. Je suis pas sûr, non. Alors, achevons-le. J'aime la justice. Non, arrêtez ça. Arrêtez. Non, aidez-moi, aidez-moi. Oh. Qu'est-ce que tu fais ? En fait, c'était moi. Il n'a tué personne. Tu as dit la vérité. Merci, mon frère. Merci. Je suis tellement désolé. C'est à cause de moi. Il est responsable de ça. Je savais. Tu es le meilleur des frères. Oh, aide-moi. Non, arrêtez. Maintenant, tu vas payer les conséquences. Oh, j'ai bien peur qu'il en soit ainsi. À bientôt, Jester. Je n'arrive pas à y croire. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai réussi. Oh, merci. Regardez, ils sont vivants. Bien sûr que nous sommes vivants. Célébrons tout ça. Impressionnant. Les deux frères sont enfin réunis. Qu'est-ce que c'était ? Ah, mais qu'est-ce que Bonjour, les amis. Qu'est-ce qui se passe ? C'est vrai, on dirait qu'il n'y a pas de quoi avoir peur. Non. Je vous ai enfin attrapé. S'il te plaît. Il est temps de dormir pour toujours. Je ne comprends pas. C'est plaisanté, ce sont que des confettis. Regardez. Oh. Ça vous a pas plu ? Oh non. J'ai une meilleure idée, vous allez rigoler. Alors là, c'est plus que du rire, c'est de l'humiliation. Mais je sais que ça va pas échouer. Regardez, hop. Ça fait rien. Regardez, je vais réussir. Attendez, ne faites pas ça. Mais pourquoi pas ? J'ai l'impression de ne plus être drôle. Tu te sens bien ?
Qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, j'ai toujours voulu faire partie d'un groupe à l'école. Alors je me déguisais en bouffon pour les faire rire, mais ils n'aimaient rien. J'allais pas abandonner. Je voulais continuer à raconter des blagues, mais aucun d'eux ne riait. Pas même une seule fois. L'un d'entre eux est apparu à côté de moi et m'a arraché le papier. L'a lu et l'a complètement détruit. En fait, il en a fait un avion. Il l'a froissé. Alors je l'ai poursuivi pour le récupérer. Mais je suis tombé. Ils ont rigolé. Mais c'était à cause de ma chute. Ils riaient de moi, pas de mes blagues. Ils m'ont humilié. Cela m'a rendu triste. Si triste que j'ai décidé de disparaître. Et Banban est apparu à mes côtés. Il m'a convaincu que mes blagues étaient intéressantes. Alors je lui en ai raconté quelques-unes. Je lui ai fait confiance. Et j'ai vu que Banban était vraiment intéressé. Il m'a invité chez lui. Et il m'a dit que je pourrais être un vrai grand comique, reconnu, et que tout le monde rirait de mes blagues. Alors, je l'ai cru. Et quand nous sommes arrivés sur place, il a activé un rayon laser et m'a transformé en monstre comme lui. Banban m'avait menti. Il voulait seulement que je sois dans le Garten Banban pour faire peur aux enfants. Je ne voulais pas le faire. Nous sommes d'accord avec toi sur ce point. Tu étais là ? Oh. Oh non ! Pourquoi ne fais-tu pas ton travail ? Non, je ne vais pas le faire. Comment oses-tu ? Oh non ! S'il te plaît ! Arrête tout de suite, ça suffit. Touche-toi lâchement. Oh, tu ne perds rien pour attendre. Non ! Laisse-la partir ! Éloigne-toi d'elle tout de suite. On est amis, tu vois, elle est super cool. Regarde. Regarde comme elle est belle. Oh, là, tout est en ordre. Je ne suis pas d'accord. Eh bien... Mais vous riez ? Oh, merci les amis.